Comment ça se passe cette première année en Formule 1, ce rêve réalisé? L'année elle se passe bien. Je veux dire que les trois premières courses ils vont très bien et puis j'ai bien aimé le travail avec l'équipe. Du coup, on verra bien comment le reste de la saison y va. Vous savez quoi? On fera les autres interviews en français parce que c'est non, parfait. Hein. I won't do it again. That was everything you can. Et pour ce Grand Prix-ci, c'est 9 sur 10. Hein. Okay. Très bon bulletin. Merci. Thank you. Have a nice weekend. Thank you so much. Dernière fois, on a parlé en français. Sincèrement, Mick, c'est incroyable le nombre de réactions positives que j'ai eues. Incroyable, incroyable. Tous positifs pour toi, disant, j'ai juste une question, mais où as-tu appris à parler? Est-ce que c'est à l'école? Est-ce que tu parles souvent français en Suisse pour avoir un tel niveau? En fait, oui, je suis allé à l'école en Suisse. Et du coup, j'avais aussi des amis qui parlent français. J'ai un petit peu l'accent, mais bon, après un petit moment, ça part. Mais j'ai pas beaucoup parlé français dans les derniers temps, mais j'essaye. C'est merveilleux et très bon week-end pour toi. Merci beaucoup. Merci. Qu'est-ce que vous avez fait entre le Grand Prix de dimanche et aujourd'hui? Du coup, en fait, j'étais faire un petit peu de vélo le lundi. Mardi, on a fait un barbecue avec toute l'équipe et on a joué un petit peu de foot le soir. Et aussi hier soir, on a fait un petit peu de foot tous ensemble. Du coup, c'était pas mal. Les Grands Prix se succèdent toutes les semaines. Est-ce que vous avez déjà pu penser à vos vacances? Que va faire Mick pendant ses vacances? Je pense que ça va être bien pour tout le monde d'avoir un petit peu de temps away from the circuit, pas sur le circuit. Et de pouvoir éteindre son téléphone et puis pas penser de quoi faire. Et du coup, moi, ça va être la même chose. Je vais essayer de relaxer un petit peu et après revenir en plus de force et plus vite. C'est quoi, mer ou montagne? On verra bien, je ne sais pas encore. Ok, merci et bon week-end. Merci.